Amour, gloire et poterie. Et oui, bienvenue dans ce stream du travail manuel où nous allons voir ce soir comment modéliser de la meilleure façon qu'il soit des boulettes en terre. 1989, 1989, comme dirait un célèbre présentateur télévisé des années 80. Qu'est-ce qu'on fout là? Ben, je me demande parce que du coup, il n'y a aucune indication. Est-ce que le marron m'aurait pas planté, tiens, des fois? Non! Ok, donc nous allons peut-être jouer à Gradius. Et oui, parce que je vous ai fait des streams de la douleur intense avec les Darius qui confondent souvent, enfin qui usent souvent de l'amalgame qu'on peut faire entre les deux noms qui ont une façon de sonner relativement proche, mais qui ne sont pas du tout les mêmes jeux. Parce que si Gradius est un jeu qui esthétiquement est très joli, mais niveau gameplay est une véritable merde. Ah, je l'ai dit enfin! Ça faisait quand même trois streams que je me retenais. On peut dire que lui, Darius, en comparé, est une petite perle, puisqu'il a mis au point des façons de jouer qui ont été par la suite largement repompées par les concurrents et autres devs en manque d'inspiration. Son talent essentiel, c'est surtout ses bonus qu'on ramasse, qui font avancer une petite jauge en bas, et avec un des boutons, on peut valider un moment le bonus qui est surligné, de manière à l'obtenir. Et du coup, ça permet au joueur d'avoir une gestion assez avancée et finaude de son armement. Et vu que je suis pas un spécialiste des Darius, ça va pas être très très long comme stream. Si on voit déjà le premier boss, ce sera pas mal, moi j'estime. Mais bon, d'emblée, vous savez qu'on a affaire à du bon shoot. On va regarder ce que ça donne une fois qu'on a la manette dedans. Oh oui, prends ma manette. Alors, on vous explique brièvement. La façon de jouer, donc les upgrades disponibles, sachant qu'il y a un moment où le speed up, mieux vaut éviter, parce que c'est le speed up de tous les dangers, ensuite vous n'arrivez plus à vous positionner, quoi. Hop, type force field, m'en fous. Ce que tu veux, je suis open, moi. Alors, moi j'ai pas de son, est-ce que vous avez du son? Voilà. Déjà le bouton de tir n'était pas au bon endroit, alors j'ai démarré très mal. Ouh là là, attendez, je vais me foutre du son moi, parce que jouer sans son là, ça me perturbe un poil. On va y arriver. Alors, vous allez voir qu'en fait, il faut faire assez gaffe à l'armement qu'on sélectionne, puisqu'on va en avoir besoin assez rapidement pour pouvoir passer des bouts de niveau qui vont s'avérer un vrai calvaire si on n'a pas les tirs qui permettent de dégommer ce qu'il y a autour de soi. Là, on voit que je suis particulièrement emmerdé par tout ce qui est au sol. On va commencer à zéro, ça sera peut-être plus simple. J'aurai le temps de booster mon petit vaisseau. Oui, Hop, let's go. C'est y part, on voit la purée. Et on va essayer de faire un run à peu près propre. Allez, putain, ce bouton qui est pas au bon endroit, c'est pénible. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que les missiles sont placés. Bon, j'ai un mapping du pad qui est complètement pourri en fait. Et les missiles sont pas au bon endroit du tout. Donc là, je peux les tirer, mais si je vous avais, je vous avoue que c'est un calvaire. Ah, le pruneau par derrière, c'est pas très sympa. Non! Non! Je disais même pas de conneries! Bon, faire je parle. Ah, puis en plus, j'ai perdu mon tir inférieur. Oh, je suis peine. Je suis. Petit être désespéré.
qui de la vie n'espère plus grand-chose. On verra même pas le premier boss, je pense. Bon, je réessaye, mais... Voilà. Je vous avais dit, Gradius, je suis pas dedans non plus. Mais bon, il faudrait quand même que je vous fasse voir ce purée de premier boss. Oui. Oh merde, non! Ah non, mais c'est pas du tout agréable avec le pad réglé comme ça, c'est vraiment la merde. Tiens, je vais prendre le laser pour la peine. C'était vraiment pas le bon choix à faire d'ailleurs. Mais je l'ai pris quand même, ça me faisait plaisir. J'avais une envie de laser. Puis un shoot sans laser, hein. Déjà, ça perd du glamour. Oh là là. Je vais abandonner ce stream. On a fait les 5 minutes, les gars. Oui, j'en suis à 6. Donc, je ne vous ferai pas voir la suite parce que, en fait, je le connais par cœur ce jeu et moi je m'ennuie et je préfère mieux vous laisser la surprise de la découverte. C'est assez faux cul comme ça ou faut que j'en rajoute encore un peu? Là je lui ai fait tellement pitié qu'il m'a pas trop fait attaquer en arrière quand même. Il a fait ouais non mais l'autre il faut faire quelque chose parce qu'il est en train de streamer, il va nous pourrir le jeu. Après tout le monde va croire que c'est un mauvais jeu alors que regardez-moi ça, c'est type un jeu sportif. La haute définition de, de ces pixels. Hein? La granularité du fond étoilé. J'aurais peut-être pas dû prendre la serre, moi. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Tiens, paf, dans l'actu. Qu'est-ce qui se passe? Je joue correctement tout d'un coup. Je ne comprends pas. Houston. Donnez-moi des armes, s'il vous plaît, monsieur. Non, je veux pas speed-up. Je sais pas, là, tout sauf du speed-up. Ah, ça, je... Non. À un prochain tour. Ouh, le vilain. Ouh, qu'il est pas beau. Ouh, qu'il a l'air méchant. Mais il est méchant, en plus. Mais, va-t'en. Alors là, je me suis mis un peu dedans tout seul. C'est ma faute. Mais j'avais qu'à faire attention, hein. Voilà, game over. Donc, je vous aurais fait une jolie démonstration, je trouve, de Gradius, qui lui est un jeu adoré par une masse de fans assez énorme et on le comprend tout à fait parce qu'il est subtil justement. Et de subtilité, je n'avais pas ce soir pour vous le montrer, vous l'aurez bien compris. On se retrouve dans le stream suivant qui sera, bah, je vais le faire au direct après, parce qu'il sera également sur un Gradius. Et je pense que je vais être vachement meilleur. Allez, je vous fais des bisous et notez que dans le prochain stream, on ne parlera pas du chocolat blanc. À tout de suite.